non seulement on invente, on est à l'origine de la solution avec des technologies de pointe, mais on la porte, on l'intègre dans la structure de chaussée, on la fait évoluer pour que cette structure réponde à des exigences actuelles, et puis on l'amène jusqu'à la commercialisation. La machine va se mettre à sonner. Voilà. Donc votre badge se vibre, les gilets connectés nous indiquent qu'on est dans une zone de danger. C'est quand même un vrai sujet de, à la fois d'agrégation de l'innovation, de sa diffusion, de mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Donc c'est vraiment tout ça qui aujourd'hui nous occupe. Nous avons créé une agence d'innovation dans les transports justement pour répondre à ces besoins, pour faciliter, accélérer le temps de l'innovation. Vous savez, quand on fait de l'innovation, au départ, on fait de la recherche et il faut qu'on puisse essayer. Et on a un système un peu en carcan et il faut qu'on puisse faire plus d'expérimentation. On leur fait 5 propositions pour que l'État s'implique davantage. Pour nous, c'est important que l'État soit un partenaire, qu'on puisse travailler également avec les collectivités locales.